Michel Bensoussan, directeur de programme de la troisième génération Logan Sandero Stepway. Ça, c'est clairement le paradoxe qu'on a à gérer tous les jours avec les équipes. Alors, pas uniquement les équipes Dacia, mais aussi les fournisseurs qui sont associés à ce travail-là. La modernité pour les clients Dacia, c'est la recherche de ce qui est très important pour eux, ce qui est essentiel, ce dont ils ont besoin, ceux qui sont prêts à payer pour. C'est là-dessus qu'on a une excellence chez Dacia, sur la capacité à générer des solutions qui offrent le meilleur ratio coût-valeur. Je vais donner un exemple de modernité. On a attendu d'être sur une technologie un peu éprouvée, la direction assistance électrique. Et donc pour cette troisième génération Dacia, dans la foulée de ce qui avait été fait sur Duster, on a attendu que les coûts de cette solution soient tout à fait accessibles pour mettre à disposition cette technologie. Et c'est ça ce qu'attendent nos clients Dacia. Pour cette troisième génération, nos clients vont continuer à se faire plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le niveau d'équipement que va choisir le client, il ne va jamais sentir un manque, une frustration. Chaque client est respecté dans les choix qu'il fait, dans ce qu'il considère lui comme essentiel. Et notre réponse n'est pas de le juger, c'est de lui apporter l'essentiel et donc un contenu qui lui convient. Donc par une très bonne intégration, à la fois ergonomique et en même temps sur les fonctions, avec un développement d'une application propre à Dacia, Dacia Control, nous avons fait en sorte que l'auxiliaire qui est le smartphone, l'auxiliaire multimédia qui est le smartphone, soit un réel complément et permette aux clients d'utiliser la navigation qui est embarquée sur son téléphone dans une ergonomie parfaite, intégrée à la voiture. On va avoir le premier toit ouvrant de la gamme Dacia à un prix exceptionnel. On va avoir le premier frein de parking automatique de la gamme Dacia et on reconduit des équipements comme le véhicule sans clé qui sont maintenant bien connus sur Duster. Avant de parler de sécurité, il faut parler de plateforme. On développe une plateforme pour deux générations. Nous, c'est la troisième génération de Sandero. Naturellement, on a eu besoin d'éclairer loin, de prévoir les réglementations qui allaient venir. Et donc, on s'est orienté vers la plateforme modulaire Alliance de la famille CMF. Par l'utilisation d'acier à haute limite élastique, on a la possibilité de faire une structure bien plus performante et à une masse très inférieure. Nous avons fait en sorte que, notamment pour les moyens de retenue, nous ayons 6 airbags maintenant, avec l'ajout d'airbags tête-thorax et évidemment des prétentionneurs pyrotechniques à toutes les places. Grâce à l'électronique de la CMF, nous allons pouvoir offrir des ADAS. Nous allons offrir le système de freinage d'urgence automatique qui va permettre de protéger, en cas d'inadvertance, les clients d'un choc. Une première aussi chez Dacia, nous allons avoir le système d'appel d'urgence au plafonnier qui permet, si on est témoin d'un accident ou si soi-même on a un accident, de pouvoir appeler partout en Europe une centrale qui va pouvoir intervenir sur le lieu de l'accident. Alors côté conduite, premièrement, l'ergonomie de conduite. Nous allons offrir une colonne de direction qui est non seulement réglable en hauteur, mais aussi en profondeur. Deuxième travail sur lequel nous avons mis l'accent, c'est l'amplitude de réglage de la rehausse conducteur. Très important, c'était une demande, une critique qui était formulée par les clients. Sur la mécanique, nous offrons un nouveau moteur EcoG, 1 litre turbo, qui est un moteur remarquable en brio, en performance et en économie. Vous savez peut-être que Dacia fait partie des leaders du GPL en France comme en Europe. Par ailleurs, nous avons une nouvelle boîte 6 vitesses qui non seulement permet de l'agrément de conduite sur autoroute, mais aussi qui permet une sensible économie de carburant. C'est ça, Dacia Malin.